Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi encore une fois de vous adresser une autre vidéo. Et cette fois-ci, ça va concerner, d'accord, ça concerne toujours la culture générale pour se préparer, vous tester au prochain concours accès aux différentes écoles marocaines telles que le NCG, l'ENA, l'ENSAM et d'autres écoles. Cette fois-ci, on va avoir des questions sur les sciences. Alors, la première question, comment appelle-t-on la science qui étudie les astres? Est-ce que c'est la cosmétologie, l'astrologie ou bien l'astronomie? Bien évidemment, c'est l'astronomie. En quoi est mesurée l'énergie contenue dans les aliments? Est-ce que c'est en calories, en watts, en volts? Bien sûr, c'est en calories. La question suivante, à l'aide de quel instrument mesure-t-on la température? À l'aide de quel instrument mesure-t-on la température? Est-ce que c'est le baromètre, télescope ou bien le thermomètre? Bien sûr, ça saute aux yeux, c'est le thermomètre. La question suivante, par quoi est mesurée la pureté de l'or? Par quoi est mesurée la pureté de l'or? Est-ce que c'est en carat, en carape ou bien en raka? C'est en carat. La question suivante, qu'appelle-t-on les substances attirées par un aimant? Qu'appelle-t-on les substances attirées par un aimant? Est-ce que magnétique, spectre ou bien molécule? Bien sûr, c'est magnétique. La question suivante, qu'est-ce qui produit le son? Qu'est-ce qui produit le son? Est-ce que c'est l'énergie et la lumière, le vent ou bien la vibration des objets? Bien sûr, c'est la vibration des objets. La question suivante, quel métal est le plus abondant sur la Terre? Quel métal est le plus abondant, Yannick-t-il, alors sur la Terre? Est-ce que c'est le cuivre, l'aluminium, le magnésium? Bien sûr, c'est l'aluminium qui est le métal le plus abondant sur la Terre. La question suivante, avec quelle matière fabrique-t-on le papier? Voilà, c'est évident, c'est clair. C'est quelle matière? C'est le bois. Qu'appelle-t-on les couleurs? Qu'appelle-t-on les couleurs de l'arc-en-ciel? Qu'appelle-t-on les couleurs de l'arc-en-ciel? Quand c'est mon blarbier, loin au tref. Alors, c'est le spectre, le spatule ou bien le sport, c'est le spectre. À quelle discipline le gène génétique appartient-il? À quelle discipline le gène génétique appartient-il? Est-ce que c'est le botanique, le biochimique ou bien le biotechnologie? Donc c'est biotechnologie qui est la bonne réponse. C'est ainsi que ça s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.